L'école de l'expression orale, donc c'est pour aider les porteurs de projets à mieux présenter leur projet, leur activité. Pitcher, faire une conférence, sublimer sa présentation auprès d'un partenaire financier, par exemple. Chaque porteur de projet a bien vécu, a bien travaillé son projet, son business plan, mais encore faut-il bien en parler et convaincre son interlocuteur. Jean-Marc Bonnet, bonjour. Vous venez nous présenter un service. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est un service à disposition des porteurs de projets. Donc, moi, je dirige le cabinet Finova. Et au sein du cabinet Finova, il y a l'école de l'expression orale. Donc, c'est pour aider les porteurs de projets à mieux présenter leur projet, leur activité. Donc, vous apprenez à pitcher son invention ou à faire une conférence sur un sujet ? Un peu tout ça, pitcher, faire une conférence, sublimer sa présentation auprès d'un partenaire financier, par exemple. Chaque porteur de projet a bien vécu, a bien travaillé son projet, son business plan, mais encore faut-il bien en parler et convaincre son interlocuteur, parce qu'il va le faire énormément de fois. Donc autant l'accompagner pour qu'il se prépare et pour qu'il puisse apporter de la valeur ajoutée à son projet. C'est vital. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à créer ce service, cette activité ? Très simplement, moi je donne des conférences depuis longtemps, je fais du théâtre, j'accompagne les entreprises et des personnes sont venues me voir en me demandant si je pouvais les aider. Donc rapidement, j'ai mis en place des modules de formation qui sont devenus un organisme de formation certifié pour accompagner les dirigeants, les salariés, les étudiants et les porteurs de projets. Et vous-même, vous proposez déjà des conférences un peu sous forme d'humour, si j'ai bien tout suivi. Moi, j'aime bien l'humour. Je pense qu'il faut dédramatiser tout ça, la prise de parole. On en fait beaucoup, ça inquiète beaucoup de personnes. Finalement, il faut relativiser. On a tous le syndrome de l'imposteur. Donc je donne des conférences, notamment ce soir ici à 18h, qui s'appelle La parole et moi, parce que la prise de parole, c'est tout simplement un combat, une lutte avec soi-même. Bien sûr. Et du coup, si nos inventeurs veulent faire appel à vos services pour eux-mêmes apprendre à mieux se mettre en avant, ou pour se présenter lors d'un concours, ou pour faire des levées de fonds monumentales parce que leur business plan ne suffira peut-être pas, comment ça marche ? Ils doivent vous téléphoner, vous contacter ? Combien ça coûte ? Très simplement, ils prennent contact avec moi. Je crois que chaque cas est particulier, chaque cas est unique. Moi, je travaille autour de la personnalité des personnes. Et après, je propose soit des séances collectives, en formation avec d'autres personnes, soit des ateliers individuels, en présentiel ou en distanciel. Donc, j'essaie de m'adapter aux besoins de chacune et de chacun. Donc, tout est possible. Il faut simplement contacter Jean-Marc Bonnet. Vraiment, je vous recommande d'abord d'assister à ces conférences ou à ces présentations, mais surtout, si vous n'êtes pas sûr à 100% de la manière dont vous présentez votre produit ou votre projet, faites appel à un spécialiste. Il saura vous déceler les petites choses qui vous manquent pour que vous puissiez être efficace à 200%. Merci Jean-Marc. Merci. Et à bientôt sur Inventif.